Bonjour tout le monde, la Terre, accent provisoire, la Chine. J'espère que vous allez tous bien. Super. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un syndrome qu'on est tous habitués à avoir, ce qu'on appelle les périostites. C'est quoi les périostites, au fait? En fait, c'est quand vous avez très mal au niveau, je vais montrer sur mon squelette ici, là. Donc, la douleur est vraiment plus à l'interne ici ou ici. Et vous la sentez beaucoup plus quand vous courez, vous marchez beaucoup. Donc à chaque pas que vous prenez quand vous courez, vous le sentez, puis ça fait très mal. Ça fait comme des aiguilles. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter ça? Évidemment, on peut faire la thérapie manuelle en clinique, on peut faire la mobilisation en clinique, mais aussi à la maison, il y a moyen de faire quelque chose. Donc c'est là où vous avez un foam roller ici qui peut vous aider. Mais avant de passer au foam roller, je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire pour vous aider. Donc, exercice, disons si moi j'ai un périostite côté gauche, ce que ça va faire, je vais aller travailler ma jambe côté gauche. Je travaille la jambe tout seul, ok? Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Je lève comme ça, je mets mon poids sur la jambe gauche et je descends en 3 secondes. Je lève mon poids sur la jambe gauche et je descends en 3 secondes. Vous pouvez le faire sur un step comme ça ici, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas de step, vous pouvez le faire sans step. Donc l'idée c'est de faire 3 séries de 10 pour vraiment aller chercher à renforcer le mollet ici qui va donc empêcher d'avoir la douleur au niveau de l'interne ici, au niveau des périostites ici. Bon, à part de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi vous faire un automassage. Ça va vous faire du bien. Mais ce que moi je préfère au lieu de faire un automassage, ça sera un foam roller, ok? Donc, encore dans mon cas, disons que c'est la jambe gauche. Je vais vous montrer ce que je veux faire. Je peux commencer avec les deux jambes, comme ça. Mais là, si je veux mettre plus au niveau de la jambe gauche, je mets la jambe gauche ici, puis je vais aller chercher vraiment l'intérieur. Je peux faire ça à peu près 30 secondes, une minute si vous voulez. C'est juste si vous vous fatiguez. Faites encore les deux jambes. Après ça, vous faites une jambe. Donc, ça, c'est un bon exercice pour vraiment empêcher ou traiter vos périostites à la maison. Encore là, si les douleurs persistent. Donc, si vous sentez que vous avez encore mal, veuillez s'il vous plaît appeler votre thérapeute parce que ça se peut qu'il y ait un autre problème qu'il faut vraiment aller chercher plus loin. Merci. Bye bye.